Bonjour, bienvenue dans cette quatrième journée de Terra Incognita. On continue, on termine aujourd'hui de poser les bases fondamentales de ce que je voulais vous dire sur le syndrome d'adaptation, c'est-à-dire les conséquences de notre adaptation permanente, du fait que nous devions nous adapter en permanence, cette notion sous-tendant que nous ne sommes pas dans les conditions qui sont idéales. Et ça, on va le voir après, vous allez voir, je sais très bien où je veux aller dans ce Terra Incognita. Et bien sûr, on va parler d'alimentation, ne vous inquiétez pas, il y a déjà des tas de recettes qui vous ont été proposées, il va y en avoir des tas d'autres. Mais j'avais envie vraiment de ne pas nous laisser leurrer, de ne pas nous laisser divertir en croyant que simplement l'alimentation va réussir à changer profondément notre état d'être, notre état de santé, alors qu'il y a bien d'autres paramètres que ceux que je vous pointe là actuellement sont pour moi vraiment essentiels. Alors, on avait vu un petit peu qu'est-ce qui se passe, phase d'alarme, phase de résistance, phase d'épuisement. On a hier considéré toutes les conséquences de la phase d'épuisement avec les conséquences qu'on peut en tirer en termes d'alimentation. Vous avez vu que d'un seul coup, ben, les choses commençaient à faire sens. Le contenu en eau qui était rédhibitoire, le fait d'apporter plus de potassium que de sodium, par exemple dans les fruits, hein, dans nombre de fruits, il y a plus de potassium que de sodium. Pour une personne qui perd déjà tous ses minéraux et en particulier son sodium, ça va être plus compliqué. Ben, ça commence à expliquer pourquoi, quand on est épuisé, parfois ben, trop de fruits, on n'en peut plus, on ne marche pas bien avec les fruits. Ben, oui, c'est normal, c'est naturel. On va vous dire, non mais attends, ok, les épuisés, je viens. Mais moi, il n'y a pas de problème. Moi, je tiens, je suis dans la bonne phase, j'ai encore la pêche, je suis jeune, donc je tiens le coup. Mais moi, j'avais envie de te parler de toi, là, maintenant. Toi qui résistes bien, qui n'est pas complètement épuisé, mais qui en même temps est soumis quotidiennement aux effets du stress. Tu es donc en phase de choc ou de résistance. Et tu crois que parce que tu as les ressources, eh bien, il n'y a pas de problème. Tu as certainement déjà entendu dire que le stress est acidifiant. Alors, qu'est-ce qui est acidifiant dans le stress? Ce qui est acidifiant, c'est que la production, l'hyperproduction d'adrénaline et de cortisol en particulier, qui sont des produits qui sont dits cataboliques, c'est-à-dire qui vont venir utiliser les réserves du corps, conduisent à la production d'énormément d'acide. Pourquoi? Parce que tu fonctionnes beaucoup trop vite. Quand tu es en situation de stress, globalement, c'est tout ton corps qui est accéléré, tout ton métabolisme est accéléré. Il y a surconsommation de tes propres réserves parce que le rythme métabolique est prodigieusement accéléré. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? En pratique, ça veut dire que chaque fois que tu es soumis à un stress, chaque fois que tu es soumis à du stress chronique, tu vieillis à vitesse x10, x100, x500, je ne sais pas, mais tu vieillis beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que tu es en train de consommer les réserves de ton organisme et chaque fois que tu consommes des réserves, mais qu'est-ce qui se passe? Tu produis de l'acide. Tu consommes des réserves, tu produis de l'acide. Toute consommation amène à la production de déchets. D'ailleurs, c'est le mal de notre société. Notre société est caractérisée par une surconsommation et donc une surproduction de déchets. Consommer et produire des déchets, ce n'est pas un problème dans le système, à condition que le rythme ne soit pas beaucoup plus élevé que la normale. Eh bien, en situation de stress, c'est exactement ça. Ton corps est fait pour traiter les déchets métaboliques. Par contre, si le rythme, le métabolisme est extraordinairement plus élevé, eh bien, ton corps ne peut plus les traiter. Dès lors, il y a une accumulation de produits acides. Et tu t'acidifies. Pourquoi? Parce que tu fonctionnes trop vite. D'une certaine manière, c'est une usure prématurée par surconsommation de tes réserves. Voilà ce que le stress fait actuellement chez toi. Beaucoup trop d'adrénaline qui est produite, beaucoup trop de cortisol qui est produit, le cortisol réalisant en plus une résistance à la nutrition, ce qui veut dire que par là, ce que tu manges, tu vas très mal le digérer. Donc les micronutriments, oublie. Donc tu es en train de pomper les micronutriments de ton corps, produire énormément d'acide et n'a pas exactement les moyens ben, de compenser tout cela. Alors en même temps, le cortisol réalise une immunodéficience. Et d'ailleurs, quand on parle d'immunodéficience, moi, il y a une chose qui m'a toujours fait sourire. Il y a toute une branche de l'approche alternative de la santé qui identifie des émotions en rapport avec des pathologies. D'un point de vue physiologique, c'est bidon. Ça ne marche pas. La dernière fois, on me sortait, ah, mais il y a ma belle-mère qui est venue chez moi, j'ai eu une cystite parce que c'est un conflit de territoire. Je vais te dire, n'importe quel stress,
réalise une baisse immunitaire, un affaiblissement immunitaire. Au niveau du corps, il n'y a pas de réponse spécifique à une émotion donnée. Toute émotion qui va être dépassée la capacité adaptative de l'individu va amener à un effondrement immunitaire. Donc que ta belle-mère prenne la place dans ta maison ou que ça soit un problème au boulot, si tu dois développer des cystites parce que c'est la partie de ton corps qui est la plus faible, tu vas développer des cystites. Mais en fait, la cause des causes, c'est l'effondrement immunitaire lié à la surproduction de cortisol. Alors oui, tu compenses peut-être actuellement. Oui, tu n'es pas en phase d'épuisement. En même temps, je vais te dire, si tout ton système sympathique turbine à fond, eh bien, automatiquement, il y a un moment où il va s'écrouler. Mais bon, pour l'instant, ok, tu relèves le truc, tu tiens encore un petit peu bien la route. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, tu es en train de t'user à vitesse grand V. Tu vieillis trop vite. Et d'ailleurs, tu le vois, c'est marrant quand, à partir de 20 ans, 22 ans, tu vois ces visages qui se fatiguent, qui se marquent à 30 ans, 35 ans. Ça va trop vite. Oui, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. On est une époque où tout est vécu en accéléré. La consommation des ressources de la planète, la consommation des ressources physiques, on est dans une logique d'hyper-consommation et d'hyper-production des déchets. On est dans une logique d'épuisement des ressources. Or, toutes ces ressources-là, elles sont à renouvellement lent. Tu ne peux pas consommer de manière inconsidérée et ininterrompue une ressource qui est à renouvellement lent. C'est impossible. N'importe quel enfant va comprendre cela. Et pourtant, c'est ce que nous avons l'audace de penser. C'est ce que nous avons la folie de penser. Penser qu'on peut fonctionner comme ça. Alors, que tu sois déjà en phase d'épuisement et que plus vraiment rien ne fonctionne dans ton organisme, que tu ne digères plus parce que tu es épuisé, parce que tu ne produis plus assez d'enzymes, que tu aies des problèmes de perte minérale, de déshydratation, que tu sois frileux, que tu aies des troubles de la circulation au niveau cérébral, hein, que tu sois donc en phase d'épuisement, ou que tu n'y sois pas encore, hein, mais que tu sois en phase de résistance, de production d'hormones, cortisol, adrénaline, et donc en train de vieillir prématurément, je crois qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. Et ce terrain incognita, c'est le meilleur moment pour le faire. C'est d'arriver à réaliser qu'il y a un problème. Tu n'es pas fait pour fonctionner en continu comme ça. Ton corps est fait pour avoir des moments de repos véritable. Tout simplement parce que tout ce qui préside au nettoyage, à la détoxification et à la régénération de ton organisme demande à être au repos, demande à ce que le système parasympathique prenne le dessus sur le système sympathique. Et que ça, tu ne pourras pas en faire l'économie. Il est temps de se poser, il est temps de se reposer. Vous allez voir, en deuxième semaine, je vais vous faire une proposition qui va consister à faire un temps de pause. Est-ce que moi je vais en faire pour les vidéos? Je ne sais pas. Je ferai peut-être des vidéos allongées, on va voir. Mais faire un vrai temps de pause, pause digestive, pause d'activité, dans la mesure du possible, pause même d'internet, pause de téléphone portable, faire une véritable pause. Parce que je prétends que n'importe lequel d'entre vous qui regarde cette vidéo, s'il pouvait s'octroyer 3 semaines de vraie pause au soleil avec un petit peu de massage et des bonnes conditions, verrait son état de santé dramatiquement amélioré. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que quel que soit votre stade dans cette échelle, hein, entre choc, résistance et épuisement, vous avez tous intérêt à changer les choses. Terra Incognita, c'est aussi pour ça, pour vous interpeller, pour vous dire attention. Vous savez, la prestidigitation, hein, pour savoir ce que fait un prestidigitateur, il suffit de regarder l'endroit où il ne veut pas que vous regardiez. Hein, il attire votre attention, il dit regarde là. Puis pendant ce temps, avec cette main, il fait ça. Mais là, c'est ce qu'on nous fait actuellement. On lui dit ah, mais vous n'allez pas bien. Ah, bon, alors avant, c'était la faute à je ne sais pas quoi, et puis il y avait la médecine. Puis non, nous. Maintenant, on voit que ça ne marche pas. On voit que le traitement allopathique, ça ne marche pas vraiment. Donc, on nous dit, ah, c'est la faute à l'alimentation. C'est la faute. Ah, regarde, c'est le gluten, c'est la caséine. Regarde, c'est eux les grands méchants. Puis pendant ce temps, toi, tu continues à être complètement essoré par un rythme de travail et des conditions de vie qui sont juste impropres à la vie, qui ne respectent pas tes besoins vitaux. Si nous ne sommes pas capables, à titre individuel et collectif, de mettre en priorité nos besoins vitaux, c'est-à-dire alimentation, eau, air, habitat, vêtements, communauté, hein, travail ou activité qui soit enrichissante, valorisante et gratifiante, si on n'est pas capable de mettre ça en priorité et de dire
Une fois que ça sera rempli, alors tous les besoins accessoires, on pourra en parler, on pourra en discuter collectivement. Mais tant que ça, ce n'est pas assuré, eh bien, rien d'autre n'est important. Ça, c'est la priorité. Si on ne le comprend pas, eh bien, on va droit dans le mur. C'est ce que nous vivons actuellement. Eh bien, je voudrais que ce terrain incognita, ce soit une chance pour chacun d'entre vous de mettre ses besoins vitaux en priorité dans sa vie. Ok, ça va peut-être demander à faire complètement demi-tour. Sauf qu'il vaut mieux le faire maintenant que de ne plus être capable de le faire. Je vous souhaite une bonne régénération. Prochaine vidéo, vous allez voir, elles vont être assez rock'n'roll. Parce que la prochaine vidéo, je vais vous proposer un petit exercice. On va se mettre une caméra dans la tête. Caméra dans la tête. Et 10 minutes. Ça, c'est de la vidéo de terrain incognita. Je m'étais promis pas plus de 10 minutes. Tu peux quand même t'abonner. Tu peux quand même regarder les vidéos que je te recommande. Et puis voilà, je te souhaite une belle journée. Je vous souhaite une belle journée, selon notre degré d'intimité.